J'ai tout de suite adhéré à la façon percutante de parler de Franck. Il prend pas de détour, il a un truc à dire, il est cash, il le dit. Et moi, c'est vraiment le genre de choses que j'ai besoin et je trouve qu'il résonne en fait, qui résonne en moi. Et c'est vrai que le mot Weekend Spark, c'est vraiment, pour là l'avoir vécu, c'est vraiment le week-end de l'étincelle. Même là, je pensais personnellement avoir débloqué certaines croyances limitantes que j'ai depuis très longtemps. Et par rapport à l'exercice même qu'on a fait hier soir, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même encore quelque chose qui était bien présent en moi. Et ça m'a permis de me libérer à ce niveau-là. Et donc rien que pour ça, une immense gratitude à Franck. Il m'a apporté beaucoup rien qu'avec ce week-end Spark. Et pour moi, Franck, en fait, c'est un faiseur de miracles. Il fait des choses, que ce soit pour moi ou même de tout ce qui s'est vécu lors de ce week-end Spark, ou même quand on le regarde en conférence, quand il prend des personnes en direct, il n'y a que lui qui est capable de faire ce qu'il fait, en fait. C'est juste extraordinaire. Et Wes, faut vraiment le vivre pour comprendre ce que c'est que Wes. Pour moi, qui suis dans l'enseignement, dans le plan académique de formation d'un prof, on devrait proposer Weekend Spark pour que les enseignants soient formés. Parce que si on contrôle ses émotions, si on se connaît, on va permettre aux jeunes, parce que c'est vraiment les jeunes qui, pour moi, c'est important d'impacter les personnes à leur plus jeune âge, en fait, de façon à ce que tout de suite, ils sachent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, quelle est la vie qui va les inspirer. Donc certes, effectivement, il y a l'école, mais l'école, ça fait pas tout. Donc j'essaye un petit peu de les remotiver, de leur donner confiance en eux, d'essayer de leur trouver leur pourquoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est pas instauré dans le système éducatif français et je trouve que c'est bien dommage. Pour moi, Weekend Spark, tout le monde devrait le faire. Parce qu'on pense des fois tout savoir, mais en fait c'est pas le cas et on en apprend tous les jours et surtout se connaître soi-même. Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et si je pouvais finir un message personnel par rapport à Franck. Donc Franck, je tenais juste à te dire merci d'exister. Merci d'être toi. Et vraiment immense gratitude pour tout ce que tu m'as apporté jusqu'à présent et pour tout ce que tu vas m'apporter pour la suite. C'est un week-end pour mettre en place, une fin de semaine pour créer l'étincelle et faire en sorte que tu sois inarrêtable. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Oui! Yeah!